Et mon invité, Alain Finkielkraut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes académicien, et hier, je le disais, vous avez été hué, insulté par des manifestants qui portaient le gilet jaune. Ces actes, ils ont bien été commis pendant des manifestations de gilets jaunes. Vous les condamnez aujourd'hui, mais ils ont bien existé, c'est une partie de ce mouvement. Sale race. Et oui. Il dit ensuite sale raciste, mais il commence par dire sale race. Oui. Tu vas mourir, Dieu va te punir. Voilà, bon, j'ai pas besoin de se pencher longuement pour comprendre la tonalité, la sonorité et donc la provenance d'un tel discours. C'est le discours de l'islamisme le plus extrémiste. Comment faire en sorte qu'il n'y ait plus cet amalgame entre gilets jaunes et violence et parfois même antisémitisme? Pas du tout que c'est tout le mouvement du gilet jaune, loin de là. Néanmoins, à chaque manifestation, il y a eu des petits actes comme si, par là. Il ne faut pas qu'on s'habitue à ces images et que chaque samedi sont de pire en pire et de plus en plus radicalisées et haineuses. Si on a laissé faire ou si on a banalisé, ne serait-ce que les violences urbaines en marge des manifestations des gilets jaunes, du coup, voilà ce à quoi on en arrive. Il faut dire que ça s'est passé à l'occasion du mouvement. Comment vous l'expliquez ça, Daniel Simonet, vous qui soutenez le mouvement des gilets jaunes depuis le début? Tous les gilets jaunes, ça a été dit, on le répétera autant de fois qu'il le faut, ne sont évidemment pas antisémites, mais cette colère sociale a agrégé, au fond, une sorte de, comment dire, de convergence des haines. Oui, la convergence des haines. Je crois que le mot est bon. Mais regardez les conséquences symboliques, le racisme, l'antisémitisme. Mmh. C'est-à-dire que là, la boîte de Pandore de toutes les violences, elle est ouverte et elle déborde. Ça suffit, c'est un slogan. Mais est-ce que ce slogan est suffisant justement pour faire reculer cet antisémitisme qui est réapparu à l'occasion d'un mouvement social, celui des Gilets jaunes? D'abord, je pense qu'aujourd'hui, mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. C'est fini les gilets jaunes. Le gilet jaune, aujourd'hui, c'est la honte. Ça fait des semaines que ça dure. Donc, il y a quelque chose là qu'il faut, qu'on ne peut plus accepter de voir. C'est ces gilets jaunes qui aujourd'hui, hélas, peut-être, j'en suis désolé pour eux, mais c'est le signe de la honte. Mmh. Le gilet jaune, c'est le gilet de la honte. Voilà une déclaration extrêmement forte. L'antisémitisme d'aujourd'hui est devenu un antiracisme. Un antiracisme. Il y a un vieil antisémitisme à l'extérieur de ses crânes, c'est ce que dit le Front National. C'est que le nouvel antisémitisme, celui qui tue, celui qui fait que des juifs déménagent, ce n'est pas celui d'extrême droite, c'est celui, l'islamo-gauchisme, un antisémitisme ancré dans une l'islamo-gauchisme, c'est pas l'islamisme. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut aussi se mettre au point sur le vocabulaire. Je ne sais pas ce que vous appelez islamo-gauchisme, mais encore une fois, l'islamisme, c'est une idéologie c'est une qui est complaisance d'une partie de la gauche pour une. Pour oui, mais là, vous parlez de terrorisme. Donc, il y a dans l'intelligence, une fraction minime, mais très active, si vous voulez, qui pratique systématiquement l'incitation à la haine antiraciste à l'égard des juifs. Les politiques, si vous voulez, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, continuent de faire le jeu de l'antisémitisme. En tout cas, ils auront une responsabilité devant l'histoire. Pourquoi? Parce que par clientélisme, on l'a bien compris, et Jean-Luc Mélenchon, parce que oui, il a une clientèle de gauche, d'extrême gauche, pro-palestinienne. 50 000 personnes d'une extrême droite et d'une extrême gauche qui sont d'accord à peu près sur tout, y compris sur l'antisémitisme, et qui en plus cherchent à faire prospérer l'antisémitisme qui a déjà tué, c'est-à-dire l'antisémitisme du radicalisme musulman. Comment le combattre? D'abord en le désignant pour ce qu'il est et en désignant aussi les vrais fauteurs de haine, les incitateurs de la haine antiraciste d'aujourd'hui. Au lieu de parler que d'antisémitisme d'extrême droite ou d'antisémitisme islamiste, on ne parle pas d'antisémitisme d'extrême gauche. Je veux dire, pourquoi d'extrême. Ah oui, non, mais d'extrême gauche. D'extrême gauche. Le sujet aujourd'hui, quand on discute avec Alain Finkielkraut de ce qui s'est joué pour lui, lui, il ne vous parle pas d'islamiste. Hein. Lui, il vous parle des zadistes. Il vous parle. Non, mais je veux dire. Islamo-gauchisme. Il vous parle des gauchistes, mais oubliez islamo. Je veux dire, il vous parle des gauchistes. Non, parce que c'est surtout pour les protégeants. C'est surtout pour les protégés qu'ils le sont.
mais, oui, mais, oui, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien que sur les plateaux, c'est-à-dire que la question de la, ce qu'on appelle les antifas, dont la gauche, si vous voulez, la gauche dans ses extrêmes et dans ses extrémités est impliquée là-dedans, on ne la regarde pas comme ça. C'est-à-dire que c'est, on n'ose pas la regarder. L'instrumentalisation qui est faite, même de l'islamisme, par cette gauche-là. Donc il y a, y a un sujet d'instrumentalisation de l'islamisme. Eh bien, il faut tout regarder. Eh bien, on a essayé de tout regarder ce soir. Or, moi, je ne sais pas, je ne sonde pas les reins et les cœurs, si vous voulez. Mais qui a dénoncé immédiatement les attaques dont j'ai été l'objet ? Marine Le Pen. Et c'est une incroyable paresse de pensée que de revenir sans cesse aux années 30 et au bon vieux Front National de papa. Je trouvais que c'était admirable de dire la réalité du danger aujourd'hui, le plus flagrant, le plus évident, qui est cet antisémitisme islamo-gauchiste en quelque sorte. Hein. Et moi, comme responsable politique, je suis tenue par le réel. Mais parfois, ça peut être, disons, utile de faire union. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le Premier ministre. La marque française Decathlon est sous le feu des critiques pour avoir proposé à la vente le hijab pour le sport. Plusieurs responsables politiques, associations féministes ont dénoncé cette soumission à la mode islamique. Ce type d'accoutrement, bondieuserie, valeur voilée de la tête aux pieds, cet article scélérat, pratique arriérée, outil d'apartheid sexuel, ce type d'accoutrement. Que répondez-vous à une jeune femme qui a envie de porter ce hijab pour faire du sport, pour courir? Qu'elle mette un foulard. Ce genre d'accoutrement, une option civilisationnelle, dévoiement de l'esprit du sport. Tout ce qu'elles vendront en cagoule islamique, elles ne le vendront pas en bikini, cet accoutrement sexiste. La suite de BFM Story, invité ce soir, invité politique Nadine Morano. Musulmane, les islamistes. Musulmans, chez nous, habillés intégralement en noir, avec un voile. Musulmane, vous voyez ce que je veux dire? Le ramadan. C'est de la faute des politiques qu'on laissait faire. Il faudrait faire quoi alors? Il faudrait interdire le port de ce hijab pour faire du sport? Je vais vous dire. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi il y a 20 ans on n'en parlait pas? Vous êtes d'accord ou pas? Peut-être. On est quasi de la même génération, mais, on n'en parlait pas. Mais sûrement. Mais si ces jeunes femmes aujourd'hui veulent le faire. Mais pourquoi musulmans? Mosquées, salafistes, l'immigration. L'immigration. Non mais ça, c'est quoi les femmes qui sont voilées? C'est quoi en général? C'est quoi? C'est quoi comme culture qui nous est importée? C'est quoi? Ça peut être des Françaises. Enfin, je vous parlais d'immigration. Ouais, en fait, le lien forcément, le hijab. Oui, je suis désolée, je le fais. Oui, je le fais. Parce que majoritairement, faudra me dire. Alors, s'il y a quelques Françaises converties, ça doit exister. Mais majoritairement, ce sont des femmes de culture musulmane qui sont aujourd'hui sur le terrain. Je suis contente. Notre réalité. Donc, soit on a beaucoup d'immigration. Aujourd'hui, 30% de ceux qui viennent des immigrants n'aiment pas les Malais. C'est une réalité. Abdelaziz Bouteflika et en tout cas l'Algérie aujourd'hui. Est-ce que Paris s'inquiète? Est-ce que Paris... C'est vrai qu'il y a une forme d'inquiétude vue de Paris. Quelles conséquences sur l'émigration d'Algérie vers la France? Ça fait partie des questions qui se posent. Oui. Pourtant, c'est vrai que dans l'opinion publique, souvent, cette comparaison ressort. C'est pas pour hasard que Marine Le Pen s'en sert. Bien évidemment. Il y a une autre polémique qui n'a rien à voir, mais qui nous a fait la journée. Ce hijab, donc finalement, la marque renonce, heureusement, vous avez envie de dire autour de cette table? Mais vous savez qu'on va être critiqué hein, dans l'Institut du Monde pour ça. On va dire, en France, on ne permet pas à des musulmans qui veulent pratiquer leur religion de faire du sport avec cette tenue. Il y aura d'autres. Il y a des pays où il y a des femmes qui se battent. Mais ça masquait pas le visage quand même, je me fais l'avocat du diable, si je veux dire. Mais... Thank you.